Salut à tous, c'est Zerlix, toujours en compagnie de mon Dave PZ préféré dans l'Ishimura. Et salut. Et donc nous venions de rétablir un coup. On voit ce qu'est la gravité. Ouais, c'est un truc fluide, comme ça. Ouais. Tu croyais que j'étais de faire quoi? Je me suis dit, il va mourir dès le début. Un nouveau record. Mais t'es fait tuer la première fois, moi. Ah, j'avoue que moi aussi, ça m'avait surpris. Je croyais que c'était une cinématique et tout ça. Pareil, ouais. J'avais posé la manette et je suis mort comme une merde. Moi aussi, je peux prendre les ventilations ou vous allez me faire chier avec? Dans le dos, tu peux les prendre, non? Il n'y a pas des passages où vous pouvez ramper? Non, non, dans le dos, il était beaucoup plus rapide de perso. Mais... Moi, je mettrais Batman maintenant. Ouh, il a tout pris, lui! Je crois que c'est pas fini. Non, c'est juste la musique qui s'est lancée, quoi. Alors là, contrôle. Et ouais, le méchant comme le genre que dans le 3. Tu me reçois? Non. C'est Kendra. Ils m'ont suivi, je me suis enfui et Amanda... Il a disparu. Kendra, où êtes-vous? Heureuse que vous soyez en vie. Je me suis réfugiée dans le centre informatique. Je les entends rôder tout près, mais ils ne doivent pas savoir que je suis là. Je peux accéder à tout d'ici. J'ai fouillé un peu et j'ai trouvé des rapports de la colonie. Avant même de briser la planète, les colons avaient déjà fait face à de nombreux cas de démence. Ça serait lié à un vestige qu'ils ont trouvé sur la planète. Ils parlent d'un monolithe. Je vais continuer. J'ai votre position, je vais débloquer l'accès aux réserves de fuel. Elles vous mèneront à la salle des moteurs. Salle des moteurs? Ouais. Oui, la salle des moteurs. Ah, les deux acolytes qui servent que dalle. Ça, c'est chiant, ça. Ouais, je vais le virer, le tranchant. Pour le faire du fric. Ça, si ça part. Bon, je vais le garder encore un peu. Ah, tu l'as payé la dernière fois, quoi, non? Ouais, je vais le garder encore un peu. Mais plus t'as d'armes dans le jeu, plus quand tu tues les monstres, tu loot les munitions des armes. Si tu ne sers pas de loot, ça gaspille, quoi. Bon, je vais au moins garder le trancheur parce qu'il one-shot certains ennemis. On l'a vu tout à l'heure, ça a carrément explosé le truc. T'as un point de force. Il me semble que j'en ai eu. Ma vie pour des points de force dans l'espace. Non. Tu as fait les dommages de ton fusil d'assaut? Non. Il me faut deux points. Alors regarde-le. Ah, je crois que j'ai 14 000. Si je vais l'acheter, c'est bon. Ouais. Ouais, on va faire ça, je vais aller acheter un point de force. Ton fusil d'assaut est de base, c'est pas terrible. J'ai juste augmenté la capacité, hein, d'un côté. Ouais, ça te fait niquer des munitions pour... En plus, on est pas loin. T'imagines dans la vie, t'es pressé, t'as le tueur comme Dubon derrière toi, et t'as la porte qui se charge, quoi. Ah, c'est Jason que je verrais bien après. Il est débout comme tous. Ouais, mais pour le démembrer, lui, tu as des boubous. Ah, mais en tant que héros, c'est... En plus, il a la TP, le mec. Tiens, un endroit, il est derrière l'autre direct. Mais y'a pas un jeu qui va sortir sur lui, quand même. Ah si, justement, je l'attends avec impatience. On pourra enfin jouer Jason. Un de mes serial killers préférés.
Le cinéma, j'en ai pas dans l'intérieur. Surtout que pour moi, ben, Jason, c'est lui la victime. Ouais, si tu parles du début, c'est lui qui... Ouais. Voilà, ça fera déjà un peu plus de dégâts. Il en faut trop pour nos forces. Ah, c'est pour ça, moi je pouvais pas me permettre de garder. Ah, mais je vais améliorer que deux armes, les armes ça sera que du bonus. Le cutter et le fusil d'assaut. Le fusil d'assaut pour je crois qu'on a un slam. Il me semble que je l'ai utilisé que pour ceux que t'as vu sur la première vidéo, là, les petits. Ouais, ceux qui m'ont buté, qui me tirent un pain. Ouais. J'ai pas compris, donc peut-être des dégâts en quelques secondes. Je vais sauvegarder ici, comme ça au moins j'aurai pas tout le monde retapé. Puis on sait jamais, je peux mourir en ayant descendu de marche. C'est pas là, c'est là. Il y a pas de passage pour voler carrément à travers tout ton truc. Dans le 1, je sais plus. Dans les moteurs. Tu sais, où tu dois timer ton truc, tout ça, c'est que dans. Il me semble que c'est là, juste là. Si c'est ça, on va rigoler. Ah, tu vas surtout. Oh, la réserve d'oxygène. Entrée zone sans gravité. Excusez-moi, monsieur, mais vous êtes un peu au milieu. D'abord, ça va que t'as mis des points dessus parce que. Ouais. Je m'en serais pas sorti. Ça. Moi j'avais tracé, moi. J'avais perdu plein d'items. Sortie zone sans gravité. C'est quoi ça? Ah, ça fait du bien les dégâts. Ah oui. Dégage. On n'a pas le même univers. C'est dans le 2 où on pouvait en fait se déplacer dans l'espace sans être collé au sol. Ouais. Sortie zone sans air. En fait, je crois qu'Isaac a peur de se péter la gueule. T'as vu quand il marche quand tu vas le. Ouais. Attends qu'on n'atterrit pas au bassin de l'eau, comment ça va hein. J'avais pas aimé ce passage. T'avais des passages pour moi, j'en ai un autre. Ici Dumble, moteur foutu. C'est toi. Mais t'as rien d'ouvert. Si, une. On se fait souvent arnaquer dans ce genre de jeu, on a des difficultés, maximum. Ouais, je vais avoir plein de trucs, donc là. Ah, t'as rien fait. T'as le droit de crever, tu t'es bien. Tu sais ce qui est bien dans Dead Space? Pourtant, à l'époque, ça se faisait beaucoup. T'es pas bloqué juste parce qu'il y a une chaise qui bloque le passage. Oui. Tu te dis, dans la vraie vie, tu la décales, quoi, et tu passes. Là, ouais. T'es vraiment bloqué parce que t'as des... Là, de toute façon, ouais. La chaise, elle est au milieu, puis tu avances un peu, elle est belle. Il y en a plein, des jeux comme ça. T'as la barrière, t'as juste un jambé, tu passes à côté. Hein. 10 fois le tour pour trouver un levier pour ouvrir une barrière. Au niveau des genoux. T'es malade. Ouais, non. Là, tu touches pas, t'as fait un carreau, là. Là, c'est ceux tout à l'heure. Allez, à vous, la dernière fois, tu t'es trompé de bouton. Ah non, j'ai appuyé sur A comme malade, quoi, j'ai martelé le truc.
Désolé. Mon corps va reposer en pièce. Caleb, c'est le mécanique de l'espace le plus puissant au monde. Lui, il te change une durée, ça. Sans que je sois à l'aide. Lui, dans le zone, entre les voitures, il se fait chier. Il faut un espace frontière, là. Avec des monstres, je sais pas, c'est dans Alien, quoi. Il a plein de bestioles. Pour toi, c'est le boss du jeu, ça. Ah oui. Je me rappelle plus, ça fait quoi, le mettre accroché à toute la fin. Je croyais que c'était comme dans Alien, c'est pareil que ça. Non. Ça a fait ce bon jeu. C'est un jeu, c'est clair. Ah putain, on se met pas de faire ça. Deg. Ah ouais, il a plus besoin de faire ça. Il doit y en avoir une folle. Bienvenue au nouveau train fantôme de Nishimura. Frisson garanti. J'avais peut-être une sur moi, je vais voir. Non. C'est un général, un milieu comme ça, où on sort des items. La vie serait beaucoup plus facile avec ça. Tu peux même te servir des trancheurs qui donnent sur les mains. Ouais, ça sert à que dalle. Franchement, je vais essayer de passer en mode là. Enfin, un mode qui se mette là, que c'est le truc qui se plante. Mais... accès contre le moteur. Et il se crache les petits. Oh. Il faut accoucher. Directement ouvert la porte, ouais. Tu auras gagné des schémas. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose.
munitions de trancheurs. Je vais prendre cette petite zone. Ça fait une place. C'est quoi ça? Ah, c'est des trucs à appeler. Ça, c'est bon. Ça. Ouais, tu devrais peut-être bourrer l'air. Tu t'en sers pas tant que ça dans le jeu. Oui, alors, c'est quoi ça? Je peux pas l'utiliser. Bon. J'aurais été hyper oxygéné. Qu'est-ce que j'ai besoin réellement? J'ai reculé. Tu penses que... Juste deux balles de trancheur. Attends, j'ai plus de balles du tout. Je viens de percuter ça. Et là, on t'a chargé tes armes. Non, mais même le cutter plasma, j'ai plus rien. En réserve, t'en as plus, non. Je vais t'appuyer sur les petits balles, hein. Attends, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a... Alors, le cutter, c'est la vie dans ce jeu. Ah ouais, que t'en passes pas, il faut au max, c'est la vie pour lui faire plaisir. Bonjour, je viens pour la burrite. C'est de la viande dense. Ouais. Ah ouais. C'est correct. Ouais, il a gâché une vie, les mecs. Enfer. C'est pas quoi. Moi je vais faire un narrateur d'histoire pour enfants plus tard. Monsieur, pourquoi il est le méchant, il est le méchant. La ferme. Mon arme préférée. Excusez-moi, je suis vraiment partout. Faut vraiment... que j'apprenne à diriger ce tas de monstres. Ah mais c'est ça en fait, Isaac. C'est que du but. C'est un bodybuilder. C'est pour ça que tu marches pas loin. Tu fais du travail que les gens. Séquence d'allumage initialisée. Là, toi, veuillez patienter. Parti pour de bon. Enfin une bonne nouvelle. Ah, la passerelle. Rejoignez la passerelle, Isaac. Pendant ce temps, je vais remettre le vaisseau en orbite. Minute, attends, c'est pas encore fini. Le système de défense du vaisseau ne fonctionne plus. Et ça tombe mal. On s'apprête à traverser un champ de débris qui vient de la planète. Si on répare pas ça, on va être réduit à morceaux. Bon Dieu! Je vais voir ce que je peux faire. Isaac, venez sur la passerelle. Vous pourrez certainement m'aider ici.
Et je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais, surtout que c'est nous qui avons fait tout le boulot, ils s'arrêtaient là. Ils savent pas ce que c'est que d'être mécano de l'espace, quoi. Allez, tout le monde, à plus dans un prochain numéro. À la prochaine.